Salut à tous, c'est Okon et bienvenue sur League of Legends. Alors, je tenais à vous dire, avant que la vidéo commence, que je me suis trompé de scène. Du coup, je suis désolé. En gros, vous allez me voir un peu en gros en bas de l'écran. En bas à droite de l'écran, dans le coin. Et je ne voulais pas m'afficher. Du coup, je suis désolé. Mais ça va pas être très grave pour la vidéo, ne vous inquiétez pas. Pour ce petit jeu, je suis accompagné de Katsuki, qui est bronze, et de Trexilium Chien, qui est diamant. Du coup, on aura deux visions différentes et ça peut être super intéressant. Pour ce petit jeu, comment ça fonctionne? En gros, je vais avoir une liste d'amis. Là, je suis sur mon compte NM et en Europe, j'ai beaucoup plus d'amis. Je vais faire, en fait, clic droit sur une personne que je ne connais pas. Alors, je vous jure que je ne les connais pas. C'est des gens que j'accepte parce qu'ils ont ajouté au Okonai en Europe. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit très vite. Il ne faut pas rester trop longtemps parce que sinon, vous allez voir son elo. Donc, tu fais clic droit très vite, tu fais View Profile et hop, tu baisses tout de suite. Comme ça, tu peux pas voir son elo. Tu vas dans Match History. Et là, tu regardes les games. Tu peux remontrer parce que là, y a rien. Et puis voilà. Et du coup, avec la scène, vous allez voir juste un rectangle noir qui cachera son elo. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. À faire clic droit sur un, mais très vite. Tu vois, je vais faire clic droit comme ça. Je vais faire View Profile. Hop, ça, je cache ici très vite pour pas qu'on voit son elo. Donc là, c'est Bob Diamant. Déjà, s'il a un prestige, normalement, ouais. On n'est pas dans du bronze. Hein. Moi, écoute, je me souviens de certaines choses. Okay, non, mais ce que je veux dire, c'est des bronzes qui jouent beaucoup et qui ont les skins prestige, ça arrive. Hein, d'accord. Bah écoute, on va commencer avec lui, parce que justement, c'est très trompeur. Donc, on a tout pour nous aider, à part évidemment voir son elo. Mais si on voit son niveau, c'est pas très grave. Donc en fait, le jeu consiste à voir 3 minutes de gameplay, voire 3 minutes 30, 4 minutes, de la partie. Et on doit deviner à quel elo il est. On commence avec, du coup, Bob Diamant 31. Je dis tout de suite, je crois pas qu'il est diamant. Peut-être, je sais pas, je sais pas. Moi, je pense que non. Ok, donc là, tout peut te servir, que ce soit le gameplay, les runes, les sorts d'invocateurs, etc. Ah, Lux ADC. Lux ADC. Hein. Ok. Ok, d'accord. Je pense que Bob Diamond n'est pas Diamond. Non, totalement non. On va être dans du gold, silver. Ah oui, Trundle agressif. Trundle électrocute. Tant qu'à faire, joue épée de Doran en fait. Genre vraiment, genre. Osef du bouclier, tu fonces. Alors attends, le Brand qui part invade tout seul. Ouais, alors attends, je vais essayer de faire la caméra, j'essaie de bien le faire. Donc au niveau des invades, donc les mythes qui s'en battent les couilles, hein, ça on connaît. Ils se sont même pas mis en position. Les pseudos peuvent aider en passant. Hein. Genre, quand le mec s'appelle Z-Steel 1, ça peut aider. Oh, attention. Est-ce qu'ils vont tenter l'invade? Oh, attention, à 3, à 3, à 3. Ah non, ils sont 4. Limite, ils sont mis à 4, en fait. Oh. Eh ouais, malheureusement, c'est un bard. Oh non, le... Ok, on avait... Mais bard d'Aeri. Ok, ouais. Alors, il y a la Lux qui avait monté déjà son E. Alors qu'elle aurait pu monter le Q et peut-être ça aurait pu être dérangeant. Bah, mais ça aurait pu tuer en fait, limite. Hein. C'est pas possible. Pas. Les mythes se sont mis à AFK, enfin. Les mythes se sont même pas mis pour check. Il fait quoi? Hein? Oh là là. Que fait-il? Il est moi je pars sur bronze 2 déjà, j'ai mon estimation bronze. Ouais, non, là c'est du bronze là. Là attends, ça me rappelle mes games. En vrai, c'est quand on regarde la bot lane, on voit très vite quand c'est la. Il fait quoi le bard? Ah, il va chercher son carillon. Donc, mini noir. Il va chercher son carillon. Ah ouais. Ok, est-ce que la Lux va engager en 1v2? Non. Ok, niveau non, ward. Ok, on a mis la ward à l'ancienne. Après, attendez, il faut se mettre sur le fait que c'est une normale draft. Hein. Pas ah non, c'est dans le cadre. C'est dans le cadre. J'ai regardé. Oui, j'ai regardé. C'est la Harry qu'on regarde et c'est parti classé. Mais combien? Donc moi, on va regarder la botlane parce qu'on peut voir 4 joueurs du coup mécaniquement. Mais c'est mon micro si vous voulez parce que je suis sur le. Ah, jeu, attendez. On est bientôt aux 3 minutes. Bon, ouais. Botlane, je vois pas grand chose en vrai. Alors, mais... déjà, la Harry qui prend Dark Sif devant AZ. Elle était confiante, hein. Aïe. En vrai, mécaniquement, je pense pas que c'est des bronzes parce qu'ils sont très. Quand même dire très mobiles quand même sur la carte. Ils sont pas genre immobiles. Bon, à part le Brand qui était AFK, mais je trouve que tu vois, moi, genre le Z il fait des trucs comme ça, tu vois, il fait des gauche-droite, pareil pour la Harry. Non, je pense qu'on est plus sur du silver. Après, il y a des bronzes aussi qui sont mieux. Attends, on voit juste cette action et après on dit notre verdict. Donc là, il s'est passé quoi? C'est le Brand qui est mort. Ok, le Brand il a pas vu la ward. Ok, le W raté, ça arrive. Il y a Bard qui va le. Ouais, non, on est sur du silver. Oula. La Lux elle a pas vu ses PV. La Lux qui avait encore heal.
Moi, je pars sur bronze 2, hein, c'est mon estimation. Ok. Moi, je dis silver 4. Attends, on est obligé. Moi, Kotsuki. J'ai bronze 1 aussi. Ah, ok. Bon, on allez, vas-y, bronze... pour le beau jeu, je dis silver 4. Pour le beau jeu, je dis silver 4. Verdict. Ah, bah, je pouvais juste mettre là. Et attention. Oh non, non. Yes. Ah, il non est si. Oh, merci, Katsuki. Bastien 14-18. Oh, parfait, lui. Ça, je connais pas. Oh, ça, c'est... oh Bastien 14-18, niveau 271. Ah, et Blitzcrank. Blitzcrank. Le Blitzcrank cheaté en plus. Oh putain. Oula. Ok, 095, c'est parti. Aïe, aïe, je suis désolé, mec. T'as dû m'ajouter à un moment donné. Ah, c'est le revers de la médaille. Il voulait peut-être des conseils. Non, alors, vas-y, on a juste le droit de regarder juste lui, ses maîtrises. Il est où? Ah non, moi, il me fait rire, c'est le de la vie, là. Fizz and Chips, bah en haut, juste au-dessus. Ok, Sébastien. Il est en train de s'entraîner à la jungle, j'ai l'impression. Ok. Alors, niveau rune. C'est correct, c'est un peu partout, non? Il m'a l'air pas trop mal. Zilean Caitlyn, double T. Ah, il y a 4 T dans les tableaux. Ah oui. Ah, mais oui. C'est quoi ça? Ils veulent faire l'opestrat en solo 2. C'est ça, tu sais, à la fin, ils TP tous sur la tour, ils finissent la game. En vrai, j'ai trop envie de voir la game, comment elle se finit à la fin, genre. Mais il a perdu de toute façon. Ouais, mais vu qu'on sait qu'il a fini en 0-9, ça a pas dû bien se passer. Invade A4, il y a malheureusement pas Yasuo. Ah, Lucien qui est tout seul, qui est complètement en tunnel vision. Oula, la bombe est très très loin, oui, il flash. La qui était partie, c'est ça, ouais, mais après, la bombe zonée, là, en vrai. Je pense qu'il l'a juste complètement raté. Non, mais de toute façon, que la bombe touche ou pas, ça servait à rien, je veux dire. Ouais, il peut pas stun. On s'en fout un tout petit peu. Elle joue avec Mana Flow. Oui, donc petite stack, c'est cool. On y a pensé que la Orianna était là pour mettre des dégâts. En vrai, c'est. Déjà, je sais que c'est pas bronze. Juste là, la Orianna, je sais que c'est pas bronze. Ce AFK sous sa tour. Aussi, c'est vrai. Oh, ah ouais, trop bien, il y a le chat, trop bien. Ah oui, t'es allé au chat. Du coup, on va regarder vite fait niveau mécanique. Ça bug bien de la Sona, c'était intelligent. Elle stack bien son passif. Mais moi, je veux quand même souligner que ils sont en ranked. Orianna demande à Yasuo, viens, on se tape pas. Yasuo dit oui. Mais par contre... J'ai pas l'impression qu'il se tape, hein. Genre vraiment. Non, vraiment, en fait. Ah, mais vraiment. Parce que... Mais oui. Parce que là, vraiment, il avait l'opportunité de ouf de lui mettre des gros coups, hein. Par contre, la botlane, c'est différent. Top lane. Alors, je regarde pas trop les junglers, les patterns qu'ils font, Trixie, toi qui es main jungler. Bah, il a commencé les raptors déjà. Tu peux faire les raptors à Trox quand t'as fait ton raid? Ah oui, bah ouais. Bah, okay. Il a start avec l'item Dot, donc ouais, il peut. Que les raptors, ça fait bobo normalement. Oh, mais, non, mais vraiment, il fait exprès. Il fait exprès de mettre la tornade, mais genre vraiment. Attends. Non, mais en fait, il l'a. Non, mais là, c'est abusé là. C'est abusé là, c'est du win trading, mec. Ah oui, là. Regarde le whole chat, ils ont pas mis de ward parce qu'on s'en bat les couilles. Ok, le Q, ça va flash, hein. Ça va flash normalement. Ah là là, la Caitlyn qui a pas eu le réflexe. Deux flash. Ah, elle a pas flash parce qu'elle pouvait peut-être avoir Sona. Ok, d'accord. Bah, faut voir le whole chat. Par contre, ça c'est douteux sans flash de faire ça. Quand même, ouais, ici. Ok. Stop, on est à 4 minutes, stop. Ouais, au début, je voulais dire Gold 4. Ouais, mais en vrai, ça peut être du Gold aussi, là. Ouais, je sais pas. Silver 3, moi, je dis. Quand même, je dis Silver 3. Non, moi, je veux dire Silver 1 ou 2. En vrai, niveau build, ils sont vraiment bons. 1,5. Ah, ouais, Caitlyn... Bah, on va dire que là, allez, est... Gold 4. C'est parti, je sors le Gold 4. Silver 3. Et Silver quoi? Silver 1 t'avais dit toi? Ouais. Oh là là là. Yes. En Gold 2, y'a ça? Gold 2, mais... C'est pas normal. Shit. Bah en vrai mécaniquement ils étaient... Ok je trouve. Mais par contre le Yasuo qui s'en est battu des couilles, mais attends mais... Uno pro player, putain il a un pseudo de fou lui. Dis-moi que t'as des games s'il te plaît, dis-moi que t'as des games. Oh oui. Tu sais quoi, on regarde même pas les autres, on prend le 1-3-14. Direct. Mais attends, mais c'est... Ah mais même on voit que c'est un joueur AD. Ouais, ok. Regarde, prends la Kessa. On prend la 1-9, la 1-9 là, je vous pense êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. J'accepte pas ça, mais en vrai c'est rigolo.
Rien de choquant. Bah, il y a Katarina en face. Hein. Qu'est-ce que tu veux ? Après, je sais pas, c'est pas un peu hybride comme Akali ? Les ratios, oui, les dégâts, non. Oula. Là, déjà, ce que je vois, c'est minimum gold, je pense. Ouais, ça, c'est pas nul. Hein. C'est, bah, ça invade, ça check, il y a juste la Katarina qui est mais bon. Moi, je pense qu'on est dans du gold. Ah, moi, je pense peut-être plate, hein. Il y a moyen. Ah ouais, mais il y a des AFK, ils étaient AFK. Non. Là, pff, non, non, ça. Mécaniquement, c'est minimum du gold, là, déjà. Là, l'auto, il sait que ça va aller tranquille. La top lane, on s'en bat les couilles. Je suis désolé, le joueur de top laner, mais bon, c'est juste du farm, mais on s'en bat les couilles. Bon, Tamken, Shade. Ouais, ouais. C'est... Normalement, allez, à plus. C'est Kayle, hein. Ok, on active ça. Ah, attends, j'ai envie de voir le niveau 2 en fait. Est-ce qu'ils vont respecter le niveau 2 des trucs comme ça? Après, la mid lane, ça m'a l'air très vénère. Oh, très bon le grab. Hein. Ok, pas mal. Ici, comment ça se passe? Ils vont passer niveau 2. Ok, Katarina est passée niveau 2. Elle a essayé d'abuser de ça. Ok, les héros jungler. On n'a pas eu des ganks ultra early, by the way. Okay. Oh putain, le bon trade. Bah, depuis les carapateurs, ça arrive moins. Ok, ça ouais, fait. Ouais, non, mais là, on a l'air du. Au gold, je pense. Bas plate. Le blanc qui demande un gank. On va voir s'il a. Ce qui est normal. Allez, on a encore 1:20, gros max. Désolé, je booste peut-être trop la 4. Ouah, c'est violent, malheureusement. C'est très difficile de all-in une le blanc. Et c'est pour ça que tout le monde la déteste. Parce que bah, le clone, c'est ultra OP, genre. Ça te met une seconde invincible. Bah, invisible, je veux dire. Et la vie qui s'en bat royalement les couilles. Ouais, la vie malheureusement qui s'en bat. Après, gank, sans ton red buff, tu donnes trop de trop d'infos. Je là, pense pas qu'elle mine le trade quand c'est Karim. C'est un Karim Conqueror. Bah ouais, oula, non. Parce que là, en plus, elle a pas la prio. Elle a pas la prio. Elle a pas la prio, qu'est-ce qu'elle fout? Ok, non. Ok, alors là, ça baisse beaucoup, beaucoup en vrai. Après, j'ai souvent des junglers. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, en vrai. Bah, en vrai, elle avait pas la vision. C'est pas une autre du tout. En vrai. Les laners, ils sont AFK? Et c'est rien que le fait que Kata vienne, ça prouve que c'est pas. Mais non, c'est... non, c'est pas. Là, le problème, c'est par que. Contre, en vrai, ouais, je suis un peu perdu là. Tamkench qui était pas venu alors qu'il était en train de foutre la pression sur Kayle. Ouais, et le problème, c'est que ça arrive même en master. Hein. C'est grave, hein, je te jure, c'est très très grave. Hein. Non, mais là, Tamkench était AFK, il a pas vu que. Non, je te jure, ça arrive partout ça. Le blanc avait pas la prio, je comprends. Par contre, Tamkench, il aurait pu venir au moins. Plus que 5 secondes. Oh. Stop. Ah, ok, ouais. On va pas faire les bâtards, on va quand même continuer là. Il va faire un flash douteux. Ouais, c'est un peu coûteux quand même. Ouais, il a testé, oula. Ok. Ok. On le dit. Ok, vas-y. Mais en fait, faudrait qu'on le dise en même temps, mais ça va être tellement de la merde. Vas-y, je commence, je dis plate 3. Vas-y, vas-y. Moi, je pense plate 2. Ok, ah ouais. Katsuki. Plate 4 pour moi. Ok. Plate 2. Parce que mécaniquement, c'était très propre en vrai. C'est juste, bah la carte, franchement, des fois, bah t'as de la musique ou quoi que ce soit. Après, le jungler, malheureusement, t'en vois partout des junglers comme ça qui font un petit peu les foufous. Mais on n'était pas encore dans sa vision, du coup, je sais pas. Ah, j'ai trop peur que ce soit du gold. Oh putain, le bâtard! Enculé! Aïe. Non mais franchement son émote de Fnatic, je suis obligé. Elle est trop belle genre. Allez, dis-moi que t'as des games. Normal. Ah. Oh non. C'est dommage. Oh Ranked, oh purée. Oh là là, ça c'est la destinée. Oh là là. Vladimir 6-3-7, son build est bon. Il joue des sur flash, donc forcément un meilleur Moi, joueur en plus. Si il a 6 heures dans son historique et son fond d'écran, c'est Kai'Sa, c'est un ADC. Okay, le Vladimir. Non mais c'était, elle est trop belle. Avec Vladimir derrière, elle est trop belle cette icône. À chaque fois que tu vois une emote, ah, elle est trop belle. Mais elle est trop belle, c'est un délire. J'aime trop. Et Karim Abuser. Ouais, j'avoue que. Kata tout rank 1. Oula, tout rank 1. Là par contre, c'est des picks un peu plus mécaniques. Rek'Sai, Ryze. Je vois pas de Rek'Sai en bronze silver. Ryze, t'en vois Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ok, niveau rune. On est ok, il y a juste TF, Kleptomancie, j'en sais rien, mais il est sur un match-up peut-être de. De late game. J'en vois pas mal. Depuis après, qu'ils ont changé de truc, vu que c'est plus facile à mettre le combo, oui, moi je vois des races. Potion de corruption, je vois pas ça trop fou contre un Ryze, à moins que tu veux lui mettre de la pression, beaucoup de pression. C'est vrai que t'es avec un Lee Sin, donc tu peux te permettre de mais faire ça. Mais vu qu'il a Klepto, il veut peut-être mettre la pression et
snowball un peu. C'est nouveau ça, le cristal de mana sur Rise, non? Non, 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 ça c'est... Non, ça, non, c'est... ils le font tous. Ouais, par contre, là, pourquoi lui il est là, lui, en fait? Ah, parce qu'il fait son raid. Mais non, parce qu'il devrait aider le Vladimir s'ils viennent, genre, au cas où. Moi, pourquoi... il devrait cover Triplash, en fait. Genre... Ouais, pour aller genre ici, un là, etc. Ah oui, j'avoue, oui, oui. Ok, donc c'est un Ikarim Top. Ah oui, mais ça fait longtemps, Ikarim Top, cette game date de... Bah non, elle peut pas être trop longue non plus, cette game, sinon on aurait pu la voir. Non, donc la Ward ici, pourquoi pas. Alors c'est très intéressant ce qu'a fait TF. Très intéressant ou très con, aucune idée. Il a mis une Ward, il a back, il a changé de trinket. Pourquoi pas. Après, j'ai jamais vu ça, mais... C'est un Rex... Mais bah, après, s'il est habitué à faire. Ça peut être intéressant. Vu qu'il joue avec un Lee Sin, ça, c'est pas mal d'enlever la Ward en vrai. Alors déjà, qui se trompe de gold card et qui prend une gold card de blue, yes, nice. La blue card fait plus de dégâts. Elle fait plus mal. C'est pas spécial. Non, mais il aurait dû prendre une rouge, en fait, tout simplement. Bah, elle fait moins de dégâts que la bleue, quand même. Ah bon? What the fuck? Mais c'est pas normal. La rouge, c'est AOE. Elle a pas de CC, du coup, elle fait plus mal. C'est ça. Bah, c'est pas non plus extrêmement logique, mais... La carte bleue fait pas plus de dégâts que la rouge. Au niveau des ratios, c'est tous les mêmes. C'est juste les dégâts de base, la bleue est la plus forte. Mais c'est pas non plus insane, mais bon, au début, c'est intéressant. Mécaniquement, ils sont très propres. Hein. Ça bouge beaucoup, ils sont pas tactiles, c'est pas mal du tout. Hein. Oh non, non, c'est... Non, ouais, oh. Non, ils m'ont l'air chaud. Hein. Ouais, mais ils ont concédé la wave et tout, là, c'est pas... Moi, je pense que c'est mon Nelo ou plus, là. Vraiment. Ils font quoi? Ouais, ils viennent au War Deep de ouf pour aider... Ouais, c'est pas mal. Ils y sont allés ensemble pour pas avoir l'imprévu. Ils ont eu la ward. Ah, dommage. Ok. Je voulais voir comment ils gèrent les CS sous tour aussi. Ok, il utilise ses sorts pour le canon, c'est intéressant. Ah, tu peux, le top Ezreal, lane, là, bon bah c'est top lane. Hein. Ah, le Ezreal a quand même eu tous ses creeps. Hein. Non, ça farm ouais, super. Ouais, c'est du diamant là. Je sais pas. Okay, ah, ça touche. Est-ce que ça reste pression? Ouais, ça reste. On prend le canon avec. Ok. Kank. Vladimir va faire sa flak, pile au bon moment. Oh, super bien timé. Ok. D'accord. Il a taunt avec. C'est d'ailleurs celui qu'on regarde. Ah oui, c'est vrai qu'il faut donner l'élo à Vladimir, putain. Ok. Ouais, la botlane. Là, on a vu que c'était très propre. Hein, quand même. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'erreurs en vrai. Hein. Ok, petit engage ici. Le passif sur Nautilus, il a fait un petit back pour pas se prendre trop de dégâts non plus. C'était intéressant. Ouh là là, ça, ok, elle a vu qu'elle pouvait pas. Ça joue super propre. Hein. Ça joue très propre. Premier gang du Lee Sin. On flash tout de suite pour faire un Q instant au corps à corps. C'était super bien en vrai, mécaniquement. J'ai bien aimé le move. La Gold 4 qui part, mais on avait fait le tunnel. Non, ça joue. C'est trop propre en vrai. Hein. Oh, 4 minutes, 4 minutes, les amis. 4 minutes. On doit faire notre. Moi, j'ai l'impression. C'est l'impression que c'est plus haut que mon Elo. Alors, moi je dis... Et c'est trop dur parce que en vrai, ça peut jouer comme ça en Gold 1 comme en Diamant 1 Master. Ça va être trop dur de deviner, dire, en vrai. Moi je vais dire du Diamant 2, moi. En parlant de Diamant 1, je vais dire Diamant 1. Moi je vais dire non, je vais dire Diamant 4. Mon premier avis, c'était Diamant 4. Ok. Attends, vous visez tellement haut, vous êtes fous. Mais en vrai, ça joue. Non, en vrai, c'était super cool. En vrai, c'était super cool. Je connais mon Elo. Mais en vrai, le fait qu'il fasse full normal, je pense qu'il est diamant 4. Il est passé diamant 4, 0 LP en fait. Et je pense qu'il fait full normal pour garder son truc. Eh, 300 de QI ou pas? Oh, quoi? Diamant 1 S. Oh le bâtard. Mais pourquoi il fait plus de ranked? Il est diamant 168 LP, il pourrait être master ou con? Il fait avec ses potes en aram, tu sais. Putain, vas-y, c'était trop chaud. Oh le bâtard. C'est vrai que ça jouait trop bien en vrai. Ça jouait très très proprement. Ça jouait mieux que moi. Enfin, qu'à mon Elo. Oh, ah putain, 2-2 mec. 2-2 mec. Zakaria 15. Xtermania, je connais pas. Vas-y, bah, Xtermania. 289, c'est quoi? C'est Mort de Kaiser, ça? Mort de Kaiser, ouais. Ok. Dragonnier, ouais. Allez, fais des rounds 4. Oh putain, vas-y. Ah, vas-y. Vas-y, on va prendre Volibear. C'était quoi le 23? Oh, c'était aujourd'hui. Salut à toi, du coup, mec, hein. Attention, Volipierre, sa game où il a gagné. Dernière, hein. Katsuki, on rappelle, elle a 0 points, Katsuki. Il y a Lord Titouan. Mec, ils ont des pseudos de bronze, là. Lord Titouan. Eastermania. Ah oui, mec, il
Kindred. Alors déjà, Kindred, Hail of Blade. Lord Titouan. En vrai, ça peut. Ça se peut, ouais, mais c'est pas... Au niveau des runes, c'est... Ah, au niveau des runes, Timo, point de l'immortalité, ok. Pas sûr, mais... Ça nous dit un petit peu pourquoi il a gagné top avec Olivia. En vrai, Timo, point de l'immortalité, en vrai, il y a des builds tanky, non, de Timo, en vrai. Oui, ouais, oui, ça... Mais... Vu que c'est un rage, ça prend moins bien. Ça peut, ouais, ne pas être si dégueulasse que ça. Moi, je vais dire du gold pour le moment. Les autres runes sont ok. Parce que alors, je sais pas. Presse de attaque sur Draven, je sais pas. Draven, il se joue un petit peu de tout, j'ai l'impression. Genre, des fois, c'est klepto. J'en sais rien. Là, je sais pas, parce qu'ils sont assez confiants pour pouvoir changer un peu des runes. Enfin, normalement, tu sais, tu regardes au PGG, puis tu fais ça, quoi. Là, la Kindred, Hail of Blade. Hail of Blade, il y en a pas mal qui le font. Il y en a aucun qui check ici, c'est super risqué en vrai. Oula. Ils attendent pas Draven là? Oh, ils attendent dans le bus. Ils les ont vus. Hein. Elle fait quoi? Non, mais c'est... Non, alors là, déjà, je vous le dis, le niveau, il est dégueulasse. Parce que Yumi qui se met pas sur... Yumi qui se met sur personne pour Q, ça dépasse pas Gold. Hein. Le flash-in est assez intéressant parce que le flash, tu pouvais pas flash derrière un mur dans cette position-là, donc c'était pas mal. L'ignite, par contre, est complètement merdique. C'est qui? Ok, c'est la Yumi. Là, le problème, c'est que Yumi peut nous bait de ouf. Parce que c'est peut-être un first time Yumi qui s'est absolument pas joué. Alors que tous les autres sont peut-être bons. Mais okay, la Yumi, elle peut vraiment pas ouf. La Syndra est pas trop bonne. Je sais pas, moi je pense que c'est du... Silver Gold dans ce jeu-là. Faut voir comment ils se débrouillent quand ils sont en lane. Mais qu'est-ce qu'il fait le Voli? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, Virtuop, c'est vrai que c'est pas le jungler. Ah oui, non mais oui, mais... Ok. D'ailleurs, c'est le joueur qu'on regarde. Ah merde. Ah ouais, Volibear, let's go. Yes. Ok, niveau du tu peux voir sur comment... tout Kindred Amisama, s'il te plaît. Aucune idée. Oh, le gank level 2. On en parlait des ganks early. Ah, on aurait... Kindred aurait dû attendre un tout petit peu. Oula, il a même pas touché Syndra. Ah, c'est dommage, hein. On aurait dû attendre un tout petit peu. Là, on a vraiment couru tout droit. Parce que ouais, là dans le gank, no joke, elle a fait comme ça. Elle aurait pu faire déjà ça. Attendre un tout petit peu que Syndra prenne un... Mais bon, c'est pas grave. C'est du... On est dans du silver là, parce que normalement une Kindred... Silver gold. Même si tu gank Kindred, tu mets sur le jungler ennemi. Tu mets pas tes marques au sur début, les... Au début j'ai perdu mes points parce que je voyais tout à la baisse, alors on va... Quoi? Genre au début je disais des rangs qui étaient bien trop en dessous de ce que c'était. Oui. Genre là en vrai je pense que c'est gold. Ouais, moi aussi je pense. Au silver, low gold, je pense. Hein. Ah, attendez. Là, le Draven qui a... Attendez. Ouais. Il y a eu un kill ici. Avec toute la vague de creep, ils ont... D'accord. Bah, un gank. Ok, ah ouais, le E qui mais... ralentit. Bah, elle arrive avec red buff. C'était close, quoi. Le flash était nul de ouf, elle était morte. Le fils, il s'en est bien tiré, en vrai. La wave est intéressante, par contre, faudrait juste pas qu'il meure. Moi, je vais dire du gold 3. Gold 4. Attends, comment il a réussi à faire ce move-là? Comment il a fait pour s'avancer autant? Ok, la Yumi qui se suicide pour faire une auto-attaque pour son passif, c'est pas ouf. Non, mais la Yumi de la first time. Ok, W. La Yumi qui se barre pour rien, elle y arrive pas. Oh, la Yumi, je vous jure, je vois Yumi, j'ai l'impression que c'est du bronze, mais les autres jouent bien, genre. Je suis désolé, Yumi, hein, je t'en veux pas, mais... La Yumi n'est pas conne, elle est partie bone plating. Ok, le Timo qui a vu assez vite la ward qu'il avait posée. Ok. Ah, le de Voli, intéressant. Alors. Ça, c'est gold 4. Alors, ça, gold 4. Mais le problème, c'est que ça arrive même à très haut élo. Hein. Les junglers qui se suicident comme ça, genre, je les vois souvent. Hein. Moi, ça me fait tirer de ouf. J'ai dit gold 3, j'ai envie de descendre à du gold 4. De... Non, mais c'est pas possible, mec, il est trop con. À partir de quel moment tu fais ça? Le mec, il est sous la touche. Et là, la Syndra, il a tapé le sbire, en fait, surtout ça. C'est même pas que ça, c'est... Puis même, c'est un fizz, genre un fizz, c'est ça, un E, quoi, genre, je sais pas... Non, mais là, il voulait pas die fizz, il a tapé le sbire, et il a oublié qu'il avait son E, et du coup, il a dash. Ah. Ça, c'est que gold 4. Hein. Toi, tu dis carrément gold. Non, bah, je vais rester sur du gold 3, moi. Mais regardez ça! Mais non, mais vous dites vraiment gold, là? Non, mais ça, c'est gold, hein. Ça, je t'assure, c'est du gold. Parce qu'on a vu... Il s'est pété la gueule. Il s'est fait de la ronde. Oui, il s'est fait de la ronde. Ouais, c'est vrai.
J'ai entendu le « Oh, tu parles trop. Oh, oh. Ferme ta gueule. » Ah mais il s'échange des double buffs. Attention, attention, Ekarim, Ekarim, rachète-toi, Ekarim, rachète-toi. Attends, il avait pas de E. Tu fais pas ton E pour faire tes buffs. Ah oui, il a fait le E pour venir plus vite ici. Ok, il s'y attendait pas au gank. Non, non, ça arrive, ok, why not. En fait, non, non, tu sais pourquoi, je pense qu'il a fait son E pour aller plus vite chercher Kindred qui a dû aller faire bah, ça. Bah en vrai, vu qu'il l'avait déjà utilisé, ça aurait donné plus ou moins la même chose, je pense. Ah non, il avait Ghost. Ah, peut-être avec le Ghost, ouais, bref. S'il avait Ghost, il aurait pu, je pense. En fait, il a voulu aller arrêter Kindred qui faisait ses Raptors pour la marque, je pense. C'est pour ça qu'il s'est dépêché. Ça me saoule parce que le Draven, je dis qu'il est gold. La Yumi, je dis qu'elle est bronze. Mid lane, la Syndra, je dirais gold, lui, silver. Et d'un côté, il avait bien joué des fois, mais des fois, c'est nul. Le Karim, je dirais qu'il est silver. Ok, ok, ok. Du coup, vas-y, vous dites ouais, quoi, vous 4. Moi, je vais dire gold 4. Les deux, gold 4. Je vais dire comme Trixie, ouais. Ok, je dis silver 1. Ouais, mais attends, là, c'est... C'est super, alors que je me suis fait d'aronnette, je pense que c'est pas bon. Attention! Non! Putain, fait chier! Mec, mais c'est, franchement, c'est un délire comme quand on y arrive bien à trouver le. En vrai, non, non, on s'est bien débrouillé. Parce que des fois on dit des trucs, des fois on dit silver, alors qu'ils sont iron ou plate en fait. Non, mais enfin, y'a jamais d'iron. Y'a jamais. Ouais, j'avoue que c'est très rare en vrai. Bah écoutez, c'était cool! Mais du coup, ajoutez-moi sur LOL, les amis. Oh mais putain, j'ai 50, j'aurais pu les accepter. Vas-y, ajoutez-moi. Et on va regarder vos games, les gars. Et alors, on se moque pas du tout, hein. C'est juste, voilà, on s'amuse. Bref. Français. Bref. Merci beaucoup. Et merci à vous deux, là, c'était cool.